Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Starfield, où, eh bien, on avait avancé un petit peu. Je suis censé rendre la quête à la loge, parce que j'ai sauvé, je sais plus qui là, comment il s'appelle, Barrett. Mais attends, j'ai un peu de sous. Je sais comment bien commencer un épisode. Comment faire pour que l'épisode ce soit de la merde? Nous voilà de retour dans notre élément. Est-ce que vous connaissez cette... Bon, on va rendre la quête à la loge, comme ça au moins, ce sera fait. Alors, ça donne quoi le Maelstrom avec un silencieux? On a des armes d'assaut à silencieux, on a des armes de tir de précision à silencieux. C'est bien, c'est pas des faux silencieux, ça fait presque des vrais silencieux dans le jeu. Le Beowulf en favori, on va le mettre à la place du Grendel. Et là, on avait changé, on avait mis un petit viseur réflexe à la place d'une lunette de sniper. Ok. J'ai plein d'armes à silencieux. Moi, je suis un fan des silencieux. Je suis à votre service, capitaine. J'ai eu un petit contretemps sur Vectera. Arrête! Nous étions morts d'inquiétude. Enfin, certains d'entre nous l'étaient. Arrête ton char, Walter. Je sais que t'étais en train de pleurer sur tes piles de billets en attendant désespérément mon retour. En réalité, Walter se plaignait de vous encore plus que d'habitude. Ce qui n'arrive que lorsqu'il est inquiet. Ne commencez pas, Catherine. Attendez... Ce serait pas... Et dire que le premier artefact prenait la poussière sur l'étagère. Regardez-les tous maintenant. Vous le sentez un peu, vous aussi, hein? Depuis que j'ai trouvé le deuxième, j'ai des visions. Être près d'eux est réconfortant. Moi, je m'en fous. Bon, sinon, je suis pas encore tout à fait remis. Et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant. Pourquoi ne pas rester dans le coin? Si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers. Ouais, vas-y. Merveilleux. Ok. On va pas le faire intégrer à l'équipage tout de suite, hein. 9000 balles. Merci. J'aime l'argent. Ah oui, donc il y a une nouvelle déco. C'est pas la quête qui m'en dit ? Parler à Vladimir. Ah oui. On va faire d'autres choses, regardez tout ce que j'ai à faire. Principal, on va pas aller faire ça. Les ombres de Néon, rendez-vous à Néon. Postuler un emploi au kiosque Origin Industries. La bière, ok. Parler à Madame Tate, allez voir. Mais c'était pas la merde pour aller là-bas ? Allons là. On va faire ça. Allons faire ça. Donc là j'ai des projets spéciaux et tout ce qui est projet de d'habitat amélioré. D'accord. Vous voyez que les projets spéciaux, c'était très loin. Là, on va se mettre aux habitats. Ouais, meilleure déco pour la maison. Logique. Je sais pas s'il y a un niveau max dans le jeu ou si on peut faire comme dans Skyrim et tout avoir. Ouais, je sais que souvent Bethesda aime bien quand on peut faire tout ce qu'on veut. Donc s'ils aiment bien qu'on puisse faire tout ce qu'on veut...
C'est bien pratique, l'Etna, mais j'ai toujours la nausée quand je le prends après avoir mangé. Il vous faut quelque chose ? Alors si je fais ça... Ici ? Pas de problème. C'était rien. Pardon. Je pensais à autre chose. La galaxie attend. Donc là, il va tout le temps être avec nous dans les missions, c'est ça ? C'est vrai que je pourrais le... Chaque fois que je vois cette statue, l'espoir grandit en moi. C'est vrai que je pourrais je le bourrer d'équipement. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'est vrai. Alors, si je fais ça... Ah oui, c'est vrai que j'ai ce vaisseau-là. Statue. Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est dans quoi. Il faut pas être dans les vaisseaux pour... Pour la gestion de l'équipage. Au-dessus, y'a rien. Je sais plus. C'est si je lui dis de nous séparer. Oh, je vois. Difficile de me battre quand on travaille côte à côte. On sépare et on compare nos notes plus tard. Le dernier dans l'espace, c'est un vieux Prasad amoisi. D'accord. Quoi de neuf ? Est-ce que moi je suis prêt ? Ah oui, on peut pas le mettre dans un vaisseau, lui, d'accord. Nous allons vous scanner lorsque... Ça fait du bien de rentrer, pas vrai ? Allez, c'est parti pour le scan. Hop ! Je peux vous aider ? Il vous faut quelque chose ? J'aimerais modifier. Ok, pas de problème. Constructeur de vaisseau, parce que... On est d'accord que maintenant... J'ai accès à des réacteurs de rang B. Oui. Donc avec plus d'énergie, si je dis pas de conneries. Donc mon réacteur qui est là. Qu'est-ce qu'il y a comme avertissement? Je sais plus comment on voit ça. Vérifier. Réduisez la masse totale, oui. Ah merde. Bien sûr. Constructeur de vaisseau. Donc là, on est bien d'accord que... Ça, c'est quoi, ça ? L'astromoteur, non... Mon réacteur est là. Ça, c'est mon réacteur. Ah, mais c'est un classe A ! Ah oui, mais classe A, c'est les plus petits. Donc ça, si je fais effacer... Là, on me dit que j'ai pas de réacteur. Ok. Et que là, je peux mettre un réacteur de classe B, 16, 18. Voilà. Donc là, j'ai plus d'énergie. Ok. Et là, c'est pareil. Au niveau des réacteurs, B, armes, cargaison, cockpit, amarre, moteur, réservoir, engrenage, astromoteur, habitation, réacteur. Les réacteurs, c'est pareil, je peux mettre des... Non. C'est quoi les... C'est les moteurs, voilà. Les moteurs, je peux avoir ce genre de choses. Ils sont bien mieux que les White Dwarf. 3, 3. Ouais, voilà. Donc ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Et venir ici mettre ça
là. Dupliquer. Tourner. Qu'est-ce qu'on me dit ? Nombre de trains d'atterrissage minimum, le vaisseau ne possède pas assez de trains d'atterrissage. Ah ! Oui, mais les trains d'atterrissage, c'est pareil, il y a des rambées, non ? C'est où ? C'est où les trains d'atterrissage ? Dans les amarres ? Les réservoirs, je pense pas. Ah non, ça non. Donc là, on me dit que j'ai pas du tout assez de moteur, mais. L'erreur, c'est quoi ? Oui, la baie, oui. Ah, mais eux, on peut les mettre derrière. Ils ont une accroche là. Ah ! Le vaisseau excède les limites de longueur de largeur. Ah. C'est vrai qu'il y avait ça. Ah oui, mais là, je peux pas le mettre au-dessus. Mais je pourrais très bien le mettre là. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah oui. Le module d'amarrage n'est pas au plus haut. Là, on va me dire qu'il n'y a pas de d'escalier entre les deux, c'est ça ? Module non fixé, le cockpit inatteignable, voilà, c'est ça. Alors, t'inquiète. Là. Dans les... Non. C'est dans les... Je sais plus du tout. Habitation, voilà. Et là, on a une bien meilleure propulsion. Ça, on peut le remettre là. Non. Et ça, on est d'accord que je peux pas le mettre derrière. Ah oui, mais je pourrais venir le caler en dessous du vaisseau. Voilà. Et le boubou, à la limite... On peut pas le mettre en dessous du vaisseau. Ah si, attends. Pourquoi je peux pas là ? Ah, c'est con. Voilà. Bon, ça fait un peu con ce moteur là. Alors, mais on est d'accord que je peux pas le décaler un petit peu. Ouais, non, je suis obligé de le mettre là. Si je veux le mettre comme ça. Mais on a gagné en efficacité. Vu qu'avant on avait un problème de masse. Et est-ce que je pourrais mettre des réservoirs plus gros ?160 et celui-là c'est combien ? Ah c'est 50. Oui, t'inquiète. Effacer. Et voilà. Et là, en plus, on gagne en efficacité, mobilité, on gagne en masse. Bon, par contre, ce gros moteur-là est dégueulasse. Alors, et ça, je peux le redescendre. Voilà. Voire même cette cargaison-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux ajouter de la cargaison. Vite, cargaison. Ah, il y a des cargaisons où il faut la conception de vaisseau.
Regarde. Avertissement. Oui, non, on va arrêter un peu avec les conneries. Bon, et ce boubou-là? Est-ce qu'on peut changer de boubou? Bouclier. Bouclier. Alors, moi, j'ai lequel? Alors, moi, il fait quoi? Point 310, taux de régénération 10. Moi, j'ai celui-là. Donc, si je veux aller chercher... Ah ouais, il y en a un. Ah là. Mais il faut conception de vaisseau. Ok. C, j'ai pas le droit. C, j'ai pas le droit. Oui, non, ça, j'ai pas le droit de l'avoir. Mais je pourrais aller mettre ce boubou là. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi il y a deux erreurs? Coût du vaisseau. Le vaisseau peut posséder qu'un seul module de bouclier. Oui. Ah merde, c'est toujours trop cher. Merde, c'est au-dessus de mes moyens. 13 000, je les ai. Oui, je les ai. Ah, c'est forcément un de côté, celui-là. Voilà. Une erreur. Ah oui, merde, de 4000 balles. Mais pas bien regardé. 4000 balles, 6000 balles. Voilà, bon, on va mettre ce boubou là, il est un peu meilleur. Vérifier. Quitter. Accepter. Voilà, le Akatsuki a été modifié. Bon. Il est toujours aussi dégueulasse, mais... Ça, c'est pas grave. Mais on peut sauter plus loin et on va plus vite. Techniquement, c'est mieux. Allons saluer les étoiles. On est d'accord que ce moteur là-haut, il est dégueulasse. Hein. Va falloir qu'on regarde pour modifier ça. Une sacrée vue d'ici. Ah ouais, non, ça fait vraiment ridicule. Ah oui, et donc là, je peux augmenter mon boubou. Non, là, je suis à 79. Ok. Contact du détecteur. Allons voir. Vraiment dégueulasse. Il est tellement dégueulasse. Caisse de livraison, très bien. Pourquoi je peux pas le prendre? Ah oui, parce que mon vaisseau est plein, c'est ça. Soute. Attends, mais je viens de tout prendre. Je viens de dire que malgré... Ah oui. C'est bon là? Oui. On a un gros problème de transport. Caisse de transport.
beaucoup de plutonium. Je sais plus pourquoi j'en avais besoin. Ah si, pour faire des munitions nucléaires, je crois. Non, ce vaisseau est vraiment dégueulasse. On va falloir faire quelque chose. Hein. Ok, mais où est-ce que je pourrais vendre tout mon bordel? Personne n'a de sous. Station de défense, récupérer... Attendez... C'est où la ville de Liberastra déjà? Ah non, c'est à Cheyenne, c'est ça? Mais j'étais déjà en train de partir, les gars. Désolé. Bienvenue dans la Confédération Liberastra. Merci de maintenir votre cap pendant que nous scannons votre vaisseau. Très bien. Aquila City. Ils ont vu. Hey, en plus, eux, ils ont vraiment pas beaucoup de sous, ces gens-là. Hein. Ah, mais je pourrais faire de la bouffe pour la revendre. Les murs peuvent sembler être une solution désuète. Mais ce n'est pas tellement différent d'une combinaison de protection ou d'un vaisseau dans l'espace. C'est la réponse la plus simple à un environnement hostile. Aquila City, une petite ville pittoresque avec certainement autant de problèmes que les autres. Toutes sortes, vous feriez mieux d'acheter... Tenez, regarde. Alors déjà, les combinaisons. Déjà, je pense que tout ce qui est blanc, on peut vendre. Hein. Enfin, quoique la minage, elle a beaucoup de résistance, la minage, on va la garder. Ça, on va la vendre. Mais voilà, ils ont déjà plus de sous. Tu leur vends deux trucs, ils ont plus de sous, les gens. Comment veux-tu t'en sortir? Crimine, pour moi, voyage, me le faites pas regretter. Après, il y a peut-être que je transporte beaucoup d'armes aussi. Hein. Ouais, je vais le vendre celui-là aussi. Je m'en sépare. C'est vrai que le vol de Médox, c'était pas hyper. Hyper probant. Hein. Est-ce que je le vends celui-là? Ouais, vas-y, je vais te le vendre, tiens. Hop. Vous voyez, je vends des trucs. J'arrive, hein. J'arrive à me dire, je vends des armes. Vas-y. Elle a plus de sous! Et là, ils ont plus de sous, quoi. C'est fou.
Ah mais je vais te parler, mec. Bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une nouvelle tête au rang d'honneur. Ah oui, d'accord. Je comprends. Bonne chance dans vos voyages. C'est un esclave sexuel, d'accord. Parce que je transporte beaucoup beaucoup trop que vraiment ça disparaît en un quart de seconde. Je viens de dire qu'il s'agit du bienvenue au randonneur. Jetez un œil. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Il y a rien de type. Il y a que de la bouffe, allez, vas-y. Depuis le vaisseau et là c'est pareil, il y a que de la bouffe. Il y a l'air, hein. Est-ce que j'ai fait un peu de place dans mon vaisseau? J'ai fait 7 kilos de place, t'es sérieux? Tu dégages ou je te descends? Comment je vais faire? Si je dois encore faire des heures sup, ma copine va me tuer. Il va falloir que je vende le deuxième vaisseau et que je rajoute des soutes, hein. Ça va pas être possible autrement. Hein. Vous n'avez rien à... Inspectez votre vaisseau à la recherche de Calovor Tool. Ok, pas de... Parce que celle-là, c'est des... 300 de cargaison. ...300, 210, 245, 220... Ah mais ouais, c'est ça qu'il me faut, conception de vaisseau rang 1, là. Du 720, là. Conception de vaisseau rang 1. C'est où, conception de vaisseau? Ah, c'est là. Dépenser 4 points supplémentaires dans technicien. Les boucliers de votre vaisseau sont améliorés de 20%, ça c'est pas mal. Capacité de soute augmentée de 10%. C'est pour moi ça. En vrai. Et j'ai un point. Ah, ici c'est 10 astroportations avec un vaisseau rempli à 75%. Pas un souci. Là, ça va vite être monté avec moi. Oui, parce que là, on a augmenté un peu la soute, là. 2300, c'est déjà pas mal. Alors, ça, on va te les mettre. Alors, celle-là, je vais la mettre 20-30. Ok, donc celle-là, je peux la ranger, celle-là est mieux. 30-20. Allez. Donc ça, ce sera celle-là. Le sac, basique, jetpack de saut. Basique. Jetpack puissant. Ouais. Jetpack basique. C'est quoi jetpack de saut? Charge maximale plus 20. Ça c'est bien ça. On va garder celui-là je pense. On verra ce que c'est un jetpack de saut comme ça. Ouais.
Filtre à oxygène, moins 25% de combustible. Transport de ressources, les ressources pèsent 25% de moins. Ouais, mais moi les ressources je les mets dans mon vaisseau. Minage. Et là. Donc on va mettre ça. En casque. Bah c'est celui que j'ai déjà. Et en saut, on avait dit qu'on mettait celui-là. Donc c'est quoi un jetpack de saut? Ah, c'est pour vraiment faire un tout petit saut. D'accord. Tenez, ça devrait vous plaire. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être vous mettre en pause et faire les... Très bien, repartons explorer. Les sauts aller-retour là, je vais faire une dizaine, je peux faire une dizaine de sauts comme ça, vu que il n'y a pas d'essence dans le jeu, l'essence on n'a pas besoin de l'acheter. Donc ça pourrait peut-être être intelligent de faire des allers-retours comme ça. Apogée terminée, nous sommes en orbite. En vrai j'ai enlevé un balistique pour mettre un boubou en plus. Est-ce que je fais ça? Mais ça va pas me donner de niveau ça, hein. Ça va juste me débloquer un truc. Je suis à la moitié du niveau. Et ça c'est bien ça. Hein. Ah oui, ça peut monter jusqu'à 50% en plus quoi. Ah oui. Et en plus on se rapproche de ça. Donc c'est très bien. Et ça, il me faut juste que je détruise encore 24 vaisseaux, c'est long. C'est très long. Donc là, je suis à 0, on va juste tester ça. Et pourquoi ils mettent réussi? Ça peut louper les astroportations? Eh hey, d'accord. On peut pas aller... C'est vrai que c'est de la 3D. Allons là-bas. Cassons-nous. L'astromoteur refroidit. Le saut était plus fluide qu'en nous tous. Et donc là, ça compte comme 1 ou comme 4 parce que j'avais plusieurs chemins à faire. Ça compte comme un, ouais, donc il faut vraiment faire chaque saut, ok. Comme un sac à merde, quoi. Y'a rien du tout ici. D'accord. Déjà, scanne la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Environnement extrême, d'accord. Je dois aller là. Débola. Faction la flotte écarlate. Ah oui. C'est fort comme niveau. Ah, niveau 20 quand même. Comme ça donne de l'XP de se balader comme ça. Vous savez que c'est mon arrière-grand-mère qui a conçu ce moteur. Oula. D'arriver. On nous attaque. Il y a un astromoteur en moins. On m'a dit qu'on pouvait attaquer les vaisseaux quand ils n'avaient plus de moteur. On va voir ça.
mais il a explosé tout seul. Pourquoi il a explosé tout seul? Ok, et là on a pris 0 dégâts. Narcisse. Je peux vous aider? Commerçon? Évidemment qu'on peut faire affaire. Ah! Ok, et elle a juste un tout petit peu de sous. Écoute, je vais te vendre quelques sacs. Celui-ci. Que tu aies des casques, regarde. Je te vends celui-là, celui-là. Et ça, t'as pas les sous. Transport. Transport de ressources, oui. Tiens. Voilà. Merci. C'est pas encore top top, mais c'est déjà mieux que rien. Du nickel. Ah, mais il y a qu'un seul truc ici. Un vaisseau. Vaisseau. Ah mais il est là. Ça m'arrête. Moi j'ai tiré dedans. Préparer les armes. Cycle d'amarrage terminé. On embarque. Les nécessaires. Ils ont des invitations. Ah bah voilà, lui il avait plus de trucs, dont une clé. Clé du coffre-fort, ah bah voilà. Des jus d'orange. C'était la secte des jus d'orange. Ah, des coffres forts encore, très bien. Alors. Faut trouver les coffres forts maintenant. Enfantin. Clé de la chambre forte. Ce vaisseau est inutilisable. On le détruira quand on aura tout fouillé. Ah bah c'était ça hein. Coffre fort vide. Si. J'ai pas la clé de celui-là. Et si on laissait des trucs ici et qu'on revenait les chercher plus tard? Non. Ouh.
Ah oui, d'accueil. Oh. Régulateur, pistolet rare. Bonjour. Allez. Ça devrait vous plaire. On va pas le détruire. Hein. Séparation accomplie. On peut filer. Arcturus. Allons-y. Alors, il y a un champ de mine. Baie de maintenance. Ah, voilà, un autre vaisseau là-bas. Allons-y. Non, tant que j'en aurai pas assez pour ouvrir ma librairie, j'en aurai jamais assez. Mayday ! Ceci est un appel d'urgence à tous les vaisseaux à proximité. À tous ceux qui peuvent nous entendre, on a besoin d'aide. J'ai ouvert le sas et... Merde ! Je monte à bord dès que possible. Vous nous sauvez la vie. Venez vite. Préparez les armes. Nous arrivons. Préparez le pistolet. La mitraillette, le lance-grenade. Le bazooka nucléaire. Ouvrons le sas et passons à la suite. Rendez-vous! C'est la police! Forme de vie non autorisée à bord. Désactivation du système de transportation. Oh non, non! Putain de machine, mon con! Bonjour! Il y a des gaz. Extraire des spécimens des sangs. On parlera plus tard. Il faut qu'on nettoie ce vaisseau. Ouais, donc en fait, c'est moi qui vais le nettoyer et toi, tu vas rien faire. Saloperie. Ah,
Et... Ok. Beaucoup de boîtes de stockage et mallettes d'armes dans ton vaisseau, mec. Je trouve... C'est qui ? Le capitaine. L'alarme continue de sonner. Il doit en rester quelques-uns planqués dans les coins. Bah heureusement que t'es pas passé quand j'ai balancé une grenade. Je me sers dans ton vaisseau. Pas à croire que c'est fini. Ok. Y'a rien dedans. Ok. Très bien, allons parler au capitaine. T'as l'air bien de ton vaisseau, mec. Pas là. Il est pas mal son vaisseau. Hein. Mais attends. Merde. Je suis paumé. En fait, on est des pirates, mec, on te vole ton vaisseau. Bonjour. Merci pour le coup de main. Une ou deux minutes de plus, et je ne sais pas ce que ces choses auraient fait. Je m'attendais à une récompense. Bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Vous l'avez bien mérité. Tenez, j'espère que ça vous sera utile. Pas de deux soins et 300 balles. Putain. Je devrais lui voler son vaisseau. Hein. Allez, cockpit. On se désamarre.
Réparation terminée. Eh, hey, le mec se barre comme ça. À peine il te dit merci, je me casse, quoi. Salon. Mufrid. X. Sagan. Allez. Ok, j'ai compris. La liberté doit être assurée. Préparez les armes. Démarrage sans accro. Je vous écoute. J'ai un statut. Des brûlures. Point. Qu'est-ce qui soigne les brûlures? Ça. Je le prends. Merci. Alors, ici. Est-ce qu'on a des trucs qu'on peut faire? Non. Déverrouillé, très bien. Ah oui, et ça par exemple, j'ai jamais été voir les habits de enfin les combinaisons spatiales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple sur le sac. Ah ouais. Je peux faire ça. Il va me le falloir ça. Soins d'urgence administre les soins d'urgence quand les points de vie sont faibles. Oh. Kit de soins analgésiques, c'est pas mal ça. Ah, on peut le changer quand on, comme on veut, d'accord. Niveau du jetpack. Attends. Protection balistique. Ah oui, d'accord. On peut augmenter les protections. Anti-explosion. D'accord. Détecteur augmente la distance à laquelle les ennemis détectés apparaissent sur la boussole. D'accord. Protection lourde. Ouais, pour qu'ils soient plus blindés. Pour diminuer le poids. D'accord. Ok. Oh. Les mêmes. Cerveau moteur optimisé. Oh, c'est pas mal ça. Monte les dégâts de corps à corps. Augmente la charge maximale. Hein? On aurait peut-être dû s'intéresser. Voilà, bref. Ah bah oui, alors, maintenant il faut. Fais pas semblant d'être en colère après moi. Je sais que tu l'es pas. On y va. Mais on fera cette station lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.